D'accord. Merci beaucoup. La préparation était très très difficile pour moi personnellement. J'ai perdu beaucoup de poids et tout, mais là je me sens bien et je pense que j'ai très très bien progressé. C'est un échappatoire, on essaye de penser à autre chose et tout, et ce projet-là nous donne une optique, finir un projet, finir quelque chose avec l'outil, le sport. Au départ, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que bon, si ça va faire du vélo, tout le monde sait faire du vélo à la base. Et une fois qu'on a fait un entraînement, deux entraînements, bon, on y prend goût. C'est vrai que trois fois par semaine, on a l'occasion de faire des entraînements. Donc c'est trois fois par semaine où on n'est pas en prison, on n'est pas derrière des murs, où on voit le monde extérieur, comment il évolue. Mais bon, après, on reste réaliste, on reste des prisonniers. Beaucoup de détenus ont appris les mathématiques à travers les kilomètres, ont appris la géographie par rapport au parcours, ont appris l'éducation à la santé. Il y a eu des formations secourisme, des formations diététiques. Donc c'est donner tous les outils aux détenus pour qu'à la sortie, ça soit transposable, on va dire.